Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui porte un titre très intéressant, Dieu n'a pas besoin de preuves, mais nous aussi. Et le début du « mais nous si, mais nous oui », pardon, « mais nous oui », c'est le début du titre de l'ouvrage paru en 2023 de Jacques Arnoux, qui s'intitule « Dieu et la science contre le mélange des genres », et qui est le sous-titre. Le titre, c'est « Dieu n'a pas besoin de preuves ». Alors, c'est parfaitement le programme que nous essayons d'entreprendre avec ce programme à ciel ouvert, science et spiritualité, contre le mélange des genres, c'est-à-dire que c'est un dialogue entre les disciplines très différentes de la théologie et pour le moment de l'astrophysique, mais ça pourrait être d'autres branches de la science. Ce programme qui est né de la faculté de théologie avec le soutien de la Fondation Yves et Inès Oltramare, comme vous le savez, et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Et donc, nous ne pouvions pas avoir de meilleur intervenant que celui qui, précisément, entre dans ce programme avec ce titre, précisément de « Dieu et la science contre le mélange des genres », mais exactement avec l'interrogation « Mais en quoi avons-nous besoin de preuves ?» Jacques Arnoux, donc nous avons la chance rare d'une personnalité qui a une compétence précisément interdisciplinaire, à la fois dans les sciences, puisqu'il est ingénieur agronome de formation, il a un doctorat en histoire des sciences et un doctorat en théologie. Donc véritablement une formation de recherche dans ces différents domaines. Et il occupe aussi un poste unique, je pense que vous en parlerez. Il est chargé des questions éthiques au Centre national d'études spatiales, qui est un poste qui est encore rarissime. Et si vous avez la curiosité de regarder sur son site internet, vous découvrirez à la fois ces beaux livres, ces titres très très intéressants qui portent sur des enjeux à la fois de société d'aujourd'hui, des questions d'environnement, des questions de société, des questions éthiques, des enjeux stratégiques et des enjeux techniques. Comment la foi chrétienne est-elle interrogée par toutes ces questions ? Je vous donne quelques titres pour vous donner envie de lire, mais vous découvrirez qu'il y a des titres pratiquement de chaque année, donc il y a une magnifique production. 2007, Dieu versus Darwin, les créationnistes vont-ils triompher de la science ? C'était l'enjeu du créationnisme, donc cette orientation qui prend les textes bibliques au mot, au pied de la lettre, par rapport à la question de l'évolution. 2015, un autre titre, « Sous le voile du cosmos, quand les scientifiques parlent de Dieu ». Donc c'est l'autre aspect, comment des scientifiques peuvent évoquer Dieu. 2017, « Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous ». Et puis j'ai découvert aussi 2023, le tout dernier, qui traite des questions environnementales, « L'espace n'est pas un dépotoir ». Donc ça, c'est un titre alarmant. Les autres sont chez Albin Michel, pour la plupart. Donc l'enjeu de la pollution spatiale qui devient un enjeu éthique pour les générations à venir. Voilà de quoi vous donner envie et le désir d'écouter avec joie la conférence « Dieu n'a pas besoin de preuves, mais nous, oui ». Merci beaucoup, Jacques Arnoux, de nous faire cet honneur de venir nous voir aujourd'hui et nous parler de cela. Merci. Merci pour cette présentation, merci surtout pour cette invitation et l'occasion de revenir à Genève, puisqu'il y a déjà quelques semaines, vous m'invitiez à un colloque assez particulièrement pertinent sur la question de la vérité, mais dans les différentes sciences et sciences humaines. Merci évidemment à ceux qui organisent ce genre de rencontres, l'Université de Genève, Faculté de théologie, la Fondation Yves et Inès Oltramare. À ciel ouvert, pour moi, c'est un titre qui, évidemment, me parle beaucoup, puisque, vous venez de le dire, j'ai la chance et aussi l'honneur et la responsabilité de travailler au Centre national d'études spatiales, c'est l'Agence spatiale française. Vous avez des équivalents en Suisse, puisque chaque pays en Europe a son agence ou son institut spatial. Et donc, ce soir,
vous m'avez invité à poursuivre, parce que c'est une réflexion qui ne s'achève jamais, poursuivre une réflexion sur ces rapports pas toujours évidents entre le monde des sciences et le monde des religions et le monde de la foi. Donc je vous partagerai quelques idées en espérant surtout que cela suscitera un échange après, parce qu'une fois encore, il n'y a pas que le ciel qui soit ouvert, il y a aussi la parole et le débat qui, sur un tel sujet, doit absolument être ouvert pour éviter pas mal d'impasses dans lesquelles, malheureusement, nos sociétés s'engagent aujourd'hui encore. Il suffit de regarder l'actualité. À propos d'actualité, je ne sais pas si vous avez remarqué, sans doute pas, parce que j'espère d'ailleurs que ça n'a pas trop franchi la frontière, mais la semaine dernière, il y a eu une interview d'un des membres du ministère de l'Industrie en France. Donc, Roland Lescure s'est présenté devant les journalistes sur le toit du ministère de l'Économie à Paris, un bâtiment assez extraordinaire qui surplombe la Seine. Et puis, il a abordé un sujet un peu étrange, celui des ovnis. Alors, ou des pans, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Pourquoi un responsable de l'économie, en tout cas responsable français, aborde la question des ovnis ? Je pense que ce ne serait pas le cas en Suisse, vous êtes trop sérieux pour ça, à moins que vous êtes en revanche plus avancé que nous dans ce qui a été instauré il y a quelques semaines, qui s'appelle Agora, et donc une invitation du gouvernement faite aux Français à poser des questions. Et chaque semaine, la question qui arrive en tête, eh bien, est posée au gouvernement, et c'est au gouvernement d'y répondre. Alors, je ne sais plus quelle était la question de la première semaine, en tout cas en seconde semaine, puisque le système vient de s'ouvrir, eh bien, la question était: quelle est la position du gouvernement français sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés ? Apparemment, les ministères se sont envoyés la patate chaude et elle a fini par atterrir au ministère de l'Économie. À force de vouloir tout diriger, évidemment, ça devenait arriver chez eux. Le brave Laurent Lescure, il faut le reconnaître, s'est un peu mélangé les pinceaux, comme on dit, alors que, je vous assure, nous lui avions préparé, parce qu'évidemment, le gouvernement, en tout cas les conseillers, s'étaient adressés au CNES. Nous lui avons préparé un petit dossier, mais il n'avait pas bien lu son dossier et il a affirmé que les 3% de phénomènes qui restent non identifiés, donc les ovnis au sens strict du terme, relevaient du secret défense, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pour moi, c'est une illustration fort intéressante des relations de notre société, de mes concitoyens, en tout cas, puisque là, on a une question qui arrive en tête, et alors qui relève bien sûr d'un phénomène particulier sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui est quand même assez emblématique de ce qui traverse nos sociétés. Et pas d'aujourd'hui. La première chose, c'est que l'humain veut savoir. Il est curieux, mais une fois que la curiosité a été suscité, il veut savoir. Si vous êtes témoin d'un phénomène dans le ciel et que vous ne comprenez pas ce qu'il en est, vous voulez savoir ce que vous avez vu. Et si vous êtes en France, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, vous savez, vous apprenez vite que, eh bien, il y a donc un service spécialisé dans ces questions-là, un service qui est rattaché à l'agence spatiale depuis 1977, donc il y a plus de 45 ans. Et ça fait 45 ans que ce service tente d'offrir des réponses à ceux qui se disent « J'ai vu un truc étrange que je ne sais pas identifier, je vous demande parce que je veux savoir ce que j'ai vu. » Et donc, la deuxième chose, c'est ça. C'est que lorsque je ne sais pas, aujourd'hui, notre réflexe sans doute le plus commun, c'est de nous adresser à ceux qui savent, à des savants, à des chercheurs, au monde des sciences. Et c'est un très bon réflexe. Nous faisons confiance à cette communauté variée, riche, enthousiaste, passionnée, que vous connaissez, et vous en faites peut-être aussi partie, des scientifiques. Et nous tournons vers les scientifiques. Monsieur le savant, qu'ai-je vu dans le ciel ? Le scientifique, dans la plupart des cas, ou du moins ses intermédiaires, et c'est le cas dans ces histoires d'OVNI, eh bien, nous pouvons donner une réponse.
dans 25 ou 30% des cas, nous avons une réponse qui est quasiment assurée. Enfin, je veux dire, on n'est jamais sûr à 100%, mais la réponse, vu le témoignage qui nous est transmis, nous pouvons dire que hier soir, avant-hier soir, après, il ne faut pas trop s'éloigner dans le temps, vous avez vu ceci, vous avez vu cela. Bon. Dans 25 ou 30% des cas, la réponse est moins sûre parce que le témoignage n'est pas aussi précis, l'horaire n'est pas impeccable, l'orientation, bon, bref. Donc, on a de fortes présomptions, mais on ne peut pas vous assurer que notre réponse est à 99% certaine. Il y a quelques dizaines de pourcents, un peu plus, où là, nous ne pouvons pas honnêtement vous donner une réponse parce que bien, votre témoignage n'est pas assez consistant ou il est trop éloigné dans le temps. Vous avez attendu un mois, deux mois, trois mois. L'horaire, c'était un soir dans la semaine. Est-ce que c'était mardi, mercredi? Alors là, voilà, ça, c'est terminé. Nous sommes quand même dans quelque chose qui ressemble à une enquête policière. Et pour mener une enquête policière, pour reconstituer une scène, pas de crime, mais d'apparition, il faut plus d'éléments. Donc là, désolé, on ne peut pas vous répondre. Et puis, il reste quelques pourcents où le témoignage est consistant. Peut-être pas multiple, mais il y a un ou deux témoins qui vraiment sont sérieux. Enfin, ils sont toujours sérieux, d'ailleurs. Mais ce qui apporte tient la route, si je peux dire. Et là, l'enquête a été menée, des scientifiques ont été interrogés, parce que c'est le travail de mes collègues, et on doit vous dire qu'on ne sait pas. Et là, nos témoins découvrent peut-être une chose, c'est que le scientifique est quelqu'un qui doit admettre qu'il ne sait pas tout. Et que, par moment, toutes ses connaissances, tous ses travaux, tous ses instruments, tout ce que vous voulez, l'amène à dire, là, je ne sais pas. Peut-être même que reconnaître son ignorance est une première des qualités du chercheur, ce qui lui permet d'ailleurs de continuer à chercher. Et ça, nos contemporains ont du mal. Enfin, écoutez, on met assez d'argent dans la recherche, vous avez suffisamment de moyens à l'agence spatiale, vous devriez nous donner... Ben non, on ne sait pas. Et là, dans un certain nombre de cas, nos braves témoins ont leur explication. Ou les témoins ou d'autres, vous les entendez comme moi. Ah ben, donc, les extraterrestres existent. Non, on vous a dit qu'on ne savait pas. Ben non, parce que je veux savoir, le besoin de savoir. Et là, introduit le croire. Parce que ça ne repose pas sur quelque chose de certain. Ça ne repose pas. Vous savez bien, comme moi, que par ailleurs, la vie extraterrestre, on la cherche beaucoup. Il y a des communautés d'astrobiologistes qui sont extrêmement actives et nombreuses. Nous n'avons toujours pas trouvé, même si votre pays est à l'honneur d'un prix Nobel, même de deux prix Nobel sur les exoplanètes, ce n'est pas la preuve que les extraterrestres existent. Et donc là, effectivement, il y a « je ne sais pas, je veux savoir » et on passe dans le régime de la croyance. Pourquoi je vous parle des ovnis? Pour aussi une autre raison. C'est que, vous ne l'avez pas évoqué, mais je pense que ça n'a échappé à pas grand monde ici, si vous êtes un peu au courant des publications dans le domaine des relations entre science et foi, il y a bientôt 2 ans est paru en France un best-seller, une brique, ouais, une belle brique de 300 ou 400 pages, « Dieu, la science, l'épreuve », un best-seller, plus de 350 000 exemplaires. Bon, et... Comme son titre, ce n'est pas « Dieu ou la science, l'épreuve et des points d'interrogation ». Dieu, virgule, la science, virgule, l'épreuve. Et je ne sais pas si c'est dans les kiosques des gares suisses, mais dans les kiosques de gares français, vous avez aujourd'hui une revue qui a paru depuis quelques semaines, hein, les 1000 raisons de croire, qui est dans la même foulée. C'est-à-dire que nous vous apportons, enfin pas moi, hein, mais les auteurs de ce livre et ceux qui font la promotion de cette revue vous apportent des preuves, hein, de l'existence de Dieu. Et même s'il est question des 1000 raisons de croire, on n'est pas lors de la... Enfin, c'est, voilà, des preuves, Dieu existe. J'en ai les preuves. Alors, j'ai eu l'occasion de débattre à 2 reprises avec l'un des 2 auteurs. Je reconnais que le premier débat, je me suis planté complètement. Mais alors, lamentablement. Le deuxième, bon, comme je commençais j'ai découvert le bonhomme, je m'étais un peu mieux préparé, bon, et donc je me suis moins laissé avoir. Et j'avoue avoir été, je confesse, bon,
ça ne se fait peut-être pas dans le protestantisme, s'il y a des protestants parmi vous, mais je suis catholique, je confesse que je n'ai pas été très gentil avec mon interlocuteur, parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu cet ouvrage, mais pour ces auteurs, l'une des preuves modernes les plus fortes de l'existence de Dieu, ce n'est pas le Big Bang dont on va parler à l'instant, bien sûr, ça fait partie de sa démarche, mais c'est l'apparition de Fatima en 1917. Et j'ai osé lui dire, mais j'ai même dit deux fois ou deux débats, que des phénomènes dans le ciel aussi extraordinaires et dont on débat beaucoup sur de quoi s'agit-il ou s'agissait-il, eh bien, c'est précisément ce qu'on appelle des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors évidemment, quand j'ai ramené Fatima à des questions d'OVNI, j'ai senti que j'avais peut-être été un peu irrespectueux. Mais je veux dire par là que ça relève du même processus. C'est-à-dire, en dehors de... avec, une fois encore, le respect que j'essaie d'avoir à l'égard de toutes les convictions, tant qu'elles n'amènent pas au meurtre, bien sûr, et au crime. Mais voilà, un phénomène extraordinaire, hors de l'ordinaire, voire surnaturel, si vous voulez... Je n'ai pas dit extraterrestre, mais nous voulons une explication. Eh bien, il y a un siècle, l'espace était... La conquête spatiale n'existait pas. Ben on cherche une explication et l'on se tourne vers un certain nombre de domaines, dont ce domaine de la religion. Et aujourd'hui, quand des gens ont des phénomènes dans le ciel, ben ils se tournent vers la science. Tout ça pour vous, simplement vous mettre en bouche, j'espère un peu, mais... sur à la fois la réalité, l'actualité de ce genre de questions, et aussi la diversité. C'est-à-dire que ça ne touche pas seulement voilà, Dieu et la science dans les thématiques habituelles, donc celles que je vais évoquer dans un instant. C'est-à-dire que ce qui est en œuvre, enfin, ce qui est en œuvre oui, en quelque sorte, les processus, les demandes, les difficultés qui sont les nôtres, qui sont celles de nos concitoyens, se trouvent dans, pas seulement liées au strict domaine de les relations entre... les sciences et les religions. Une chose me frappe beaucoup à travers cet ouvrage et à travers aussi un dossier que vous venez d'évoquer, sur lequel que j'ai juste évoqué aussi, c'est que, bon, je ne suis pas scientifique au sens strict, hein, comme vous l'avez dit, j'ai fait doctorat plutôt en histoire des sciences et puis bon, en théologie, mais... les gens que je rencontre, pas tout à fait au quotidien, mais presque, à travers l'Agence spatiale française, à travers aussi d'autres occasions, c'est vrai que je rencontre souvent des scientifiques. Et je suis très inquiet de voir combien la science aujourd'hui, enfin, quand je dis la science, donc tous les domaines scientifiques, d'ailleurs, sont malmenés, sont utilisés à tort. Il y a un mésusage, il y a un abus, je ne sais pas si le terme d'abusage existe, mais vous voyez ce que je veux dire, des sciences qui devient un peu alarmant. Quand vous voulez défendre une idée, vous voulez défendre l'existence des extraterrestres, vous voulez défendre l'existence de Dieu, vous voulez défendre... vous allez chercher la science et vous la bricolez de manière à ce qu'elle rentre dans votre conviction, dans ce que vous voulez défendre. Et ce n'est pas toujours évident d'aller contre ce genre de mouvement. On parle de complotisme, enfin, voilà, tous ces sujets aujourd'hui qui sont des sujets que je trouve extrêmement graves, parce que si c'était comme ça des débats dans des amphithéâtres, et que ça ne sorte pas des amphithéâtres, pourquoi pas ? On raconte bien qu'à Constantinople, on s'interrogeait sur le sexe des anges, alors qu'au dehors, ça brûlait. À l'inverse, on peut peut-être brûler sur des questions comme ça, et puis si à l'extérieur, c'est calme, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, l'abus ou le mésusage de la science, pour moi, est quelque chose d'extrêmement alarmant. Le cas que vous évoquiez, donc ces créationnistes, bon, un vieux sujet qui apparaît, en tout cas historiquement, en gros avec Charles Darwin, en tout cas la publication de ses ouvrages, donc à la fin du XVIIIe siècle, qui apparaît plutôt dans le milieu américain, mais qui depuis se diffuse... sans guère de difficultés ailleurs, en Australie, en Angleterre, en Europe, qui n'est pas seulement aujourd'hui lié à certains courants chrétiens, mais aussi fortement alimenté par des courants musulmans, tout ça étant évidemment des courants conservateurs et radicaux.
Bon, c'est quelque chose que vous connaissez sans doute. Si vous voulez, on peut revenir tout à l'heure, mais je pense que c'est pas nécessaire d'y rester trop longtemps. Mais voilà, c'est un exemple pour moi d'une science qui est mise en danger. Et puis, pas seulement une science qui est mise en danger dans les laboratoires, dans les lieux de recherche, mais surtout dans les lieux d'éducation. Vous savez comme moi que l'enjeu du créationnisme, c'est le fait que ces croisés, comme je les appelle quelquefois, parce que pour moi, c'est vraiment une croisade, l'aspect négatif de la croisade, c'est que, bon, ben voilà, il s'agit d'empêcher l'enseignement, bon, par exemple, des sciences de l'évolution, parce que nos chers créationnistes sont pas mal gênés par la question de l'évolution du vivant. Et c'est là-dessus que se porte leur hargne. Donc, voilà un cas où la science est attaquée, est détournée, est falsifiée, la méthode scientifique est falsifiée, tout ça pour dire « j'ai raison contre vous ». Et j'ai la preuve que Dieu existe, que la Bible a raison, et qu'il faut suivre un tel discours et oublier tous les autres. Je vous disais que dans le cas des créationnistes, et c'est, je crois, assez emblématique, c'est Darwin, parce que d'ailleurs, les travaux de Darwin qui sont à l'origine, en quelque sorte, la naissance des courants créationnistes. Un autre domaine dont la révolution scientifique était préalable, c'est le rapport qu'aujourd'hui nous entretenons avec les sciences, avec l'astrophysique, la cosmologie, et qui est un rapport aujourd'hui peut-être moins conflictuel, mais vous savez bien pourquoi. Et l'exemple là, c'est le pape Pie XII qui l'a donné en 1950. Bon, nous sommes en plein dans le développement de la théorie qui s'appelait désormais la théorie du Big Bang, puisqu'en 1948, Fred Hoyle, qui était opposé à cette théorie, l'avait surnommée en se moquant la théorie du Big Bang. Donc Pie XII qui dit « mais c'est extraordinaire cette théorie, parce que c'est la genèse racontée par les scientifiques ». Une espèce de concordisme et d'accord que l'un des fondateurs de cette théorie, l'abbé Lemaître, avait tout de suite alerté le pape en disant ne restez pas sur là-dessus, parce que le concordisme, c'est quand même une voie dangereuse, éventuellement sans issue. Et aujourd'hui, la cosmologie, elle aussi, elle n'est pas attaquée, elle est récupérée par des discours en disant « mais regardez, c'est fantastique, ça colle tout à fait avec ce que dit la Bible ». Alors, ça colle, oui, tant qu'on va chercher ce qui colle. Mais la grandeur de la science, c'est qu'on n'est jamais au bout. Et qu'une théorie qui est en train d'être élaborée, elle va mettre un certain temps à s'installer. C'est le cas de la théorie de l'atome primitif, c'est 1930, l'abbé Lemaître, qui devient aujourd'hui la théorie du Big Bang, mais qui est en pleine, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais qui est toujours discutée, toujours débattue. Et c'est facile d'aller chercher deux, trois éléments qui collent avec vos propres convictions. Pour moi, c'est mésuser de la science. Et la science mérite beaucoup plus. Mais voilà, nous avons besoin, nous les humains, de preuves. Dieu peut-être pas, mais comme on a choisi dans ce titre, nous, on en a besoin. La grande leçon, me semble-t-il, parce que là, j'ai un petit peu désigné des attitudes, des postures, vous l'aurez compris, avec lesquelles je ne suis pas en accord. Je ne concorde pas avec ce genre d'attitude. D'abord, par respect pour les scientifiques, pour la méthode qu'ils mettent en œuvre, qu'ils développent, et aussi, ne jamais oublier ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'une de leurs premières, valeurs, c'est de reconnaître l'ignorance. On ne sait pas tout et on cherche. Alors attention, quand on s'appuie sur quelque chose dont on se dit demain, ça peut être différent. Il n'empêche que pour les croyants, l'épreuve en un seul mot, L'apostrophe, pas l'épreuve. L'épreuve, c'est celle du réel. Parce que la difficulté, c'est que la science, avec tous ses instruments, avec toutes ses méthodes, avec toutes ses observations, une fois encore, vous avez sans doute entendu ici à plusieurs reprises Michel Mayor, quand Michel Mayor vous explique sa découverte, c'est extraordinaire dans l'histoire. Ça faisait des siècles qu'on attendait
une preuve scientifique de l'existence de planètes autour d'autres étoiles que la nôtre. Il a fallu attendre 1995 pour que cette preuve scientifique nous soit donnée. Et donc aujourd'hui, le réel, c'est qu'il y a des planètes autour, au moins dans notre galaxie, autour des autres étoiles. Ça, c'est le réel. Bon. Alors, peut-être que pour les croyants, ce n'est pas nécessairement un choc trop important. Quoique, je vais y venir. Mais bon, il y a d'autres chocs. Je parlais des créationnistes, le choc des fossiles. Comment faire avec des fossiles? Ah, il y a des méthodes, hein. Vous n'en faites pas, on en trouve. Mais il faut se confronter à la réalité. Mais au fond, entre parenthèses, c'est le fait de toute démarche croyante. Il y a les idées, il y a mais ce que je crois, ce que j'allais dire, j'aimerais croire ou je rêve croire, et puis il y a la réalité qui m'attend au coin, là, tout de suite. J'aime bien un mot de quelqu'un qui était plutôt un scientifique, un ingénieur, qui n'était pas un théologien, et qui était un grand auteur de science-fiction, c'est Arthur C. Clarke. Et Clarke écrivait « Une foi qui ne peut pas survivre à la collision avec la vérité ne mérite guère de regrets. » C'est un mot terrible, mais tellement juste. Une foi qui ne peut pas survivre à la collision avec la vérité. Quels sont ces lieux un peu, ces pierres d'achoppement pour la démarche croyante aujourd'hui? La première que je vois, c'est peut-être de manière un peu paradoxale par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est la question de l'infini, ou le quasi-infini. Cet univers qui est devenu de plus en plus grand. C'est déjà ancien. La révolution copernicienne, bon, et ses suites, c'est le XVIIe siècle, et ce qui suit. Juste avant, il y a quand même quelqu'un qui est passé sur l'échafaud, pas sur l'échafaud, sur le bûcher, qui s'appelait Giordano Bruno, qui est passé à Genève. Bon, il en est parti assez rapidement, d'ailleurs. Mais bon, lui, il défendait l'idée d'infini, et ça ne plaisait pas beaucoup autour de lui. Bon, après, on fait avec. Mais je crois que l'attention que nous a demandé Teilhard de Chardin à porter à la question de l'infini est toujours vraie. Quand il s'est battu toute sa vie, comme il disait, pour un Christ toujours plus grand. Attention de ne pas réduire notre Dieu à un Dieu toujours plus petit, au contraire. Carl Sagan disait la même chose. Il n'était pas contre les religions, simplement il trouvait que les religions avaient un Dieu un peu étriqué. Lui qui regardait le ciel dans ses télescopes, qui envoyait des sondes à l'autre bout, pas à l'autre bout de la galaxie, mais en direction de l'autre bout de la galaxie, et qui disait « Mais votre Dieu, il est un peu petit. » La question de l'infini. Croire aux dimensions de l'infini, ou avec les dimensions de l'infini, c'est peut-être pas si facile que ça. Un autre aspect, je donne quelques éléments, et j'espère que nous échangerons ensuite là-dessus. C'est évidemment la question du hasard. Parce que ça c'est une pierre d'achoppement qui a une marche assez haute dans laquelle on peut assez facilement se heurter. Il y a Darwin, mais faut-il encore lire correctement les théories de l'évolution et ce que signifie la sélection, qu'est-ce que le hasard? Et là, les philosophes, je crois, continuent à nous enrichir de leurs réflexions. On peut aller voir Einstein, hein, Dieu ne joue pas avec les dés, mais voilà, tout ça ne fait qu'enrichir, au fond, notre profonde ignorance. Et certains disent d'ailleurs que le hasard n'est que la conséquence de notre ignorance. Devons-nous donner un rôle au hasard? Qu'entendons-nous par hasard? Moi, je suis assez prudent, et je dis parfois, eh bien, ça s'est passé par hasard, comme j'ai fait une très belle promenade par beau temps. C'est-à-dire que c'est la condition générale qui me permet, voilà, dont j'ai profité ou pas profité, mais est-ce que je suis obligé de donner un pouvoir au hasard, comme on a souvent tendance à le faire? C'est pas si simple que ça. Et là-dessus, vous le savez mieux que moi, ou aussi bien que moi, les débats sont largement ouverts sur déterminisme, hasard, et voilà. Je participais il y a quelques jours à
un débat à propos de la vie extraterrestre, et je vais y arriver, mais Jean-Pierre Bibring, qui était le conférencier, montrait ce que nous savons, la difficulté que nous avons à définir ce qu'est le vivant et la manière dont, au sein de ce que nous sommes comme êtres vivants et au sein du vivant, comment s'associe, comment conspire, j'aime bien comment conspire déterminisme et hasard, si tant est qu'une fois encore qu'on puisse avoir une définition à peu près cohérente de ces deux termes. Mais c'est ça, hein, ça fait bien partie de cette collision de notre démarche croyante, de notre foi avec ce réel dont nous ignorons tant de choses et qui, voilà, par moments, nous vient à nous, dans lequel nous allons et que nous constatons que les choses se font par hasard, dans la contingence. Je vous citais, alors ça peut là aussi, un petit peu comme mes histoires d'OVNI, paraître un peu anecdotique, mais la question extraterrestre, bon, alors c'est vrai que à l'agence spatiale, c'est une des questions sur lesquelles nous sommes souvent interrogés, parce que cette question intéresse nos contemporains, comme elle a intéressé nos ancêtres, nos prédécesseurs depuis fort longtemps. Albert Legrand, donc on est au XIIIe siècle, disait que la question, alors il ne parlait pas d'extraterrestres, ce n'était pas un terme qu'il connaissait, mais de pluralité des mondes habités, hein, que cette question était l'une des plus prégnantes de la philosophie. Pourquoi ? Mais c'est la question de l'autre. Y a-t-il d'autres que moi, des alters égaux ou des alters tellement différents que je ne m'y reconnais même pas ? Et cette question est posée aux philosophes, voilà. Épicure, Aristote, ils ont débattu là-dessus, elle est loin d'être anodine parce que c'est au fond derrière toute une conception du monde, une conception de l'ordre, une place accordée ou pas au hasard dont je viens de parler, qui sont en jeu. Dans la simple interrogation, y a-t-il d'autres mondes que celui que je connais ? Et donc cette question, elle est toujours présente depuis le début, enfin, de la philosophie dont nous avons des traces. Bon, avant, c'est plus difficile, évidemment. Et elle est toujours présente, toujours débattue, avec des camps qui, à un moment donné, ben voilà, deviennent prépondérants et qui ensuite minoritaires. Évidemment, avec, à partir des temps modernes, avec les sciences modernes, des éléments que la science vient alimenter cette réflexion, mais ne pas non plus la résoudre. Et c'est une question qui, vous le citiez tout à l'heure, enfin, j'avais abordé dans un ouvrage, parce que je suis très souvent interrogé là-dessus. Les gens disent, voilà, on a appris que vous travailliez à l'agence spatiale, alors qu'en est-il des religions le jour où on trouvera de la vie extraterrestre ? Et pour certains d'entre nous, de nos contemporains, c'est une question grave. Peut-être pas pour autant qu'on ne le croit. Mais j'ai effectivement rencontré des gens qui m'ont dit « Mais s'il y a des extraterrestres, ma foi dégringole. » Alors j'ai le coutume de dire « c'est le... » Je ne sais pas si c'est le syndrome, en tout cas, c'est la position du fils unique, jusque-là unique. Ou de l'aîné. Enfin, il est aîné parce que justement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il était unique et maintenant, il est l'aîné. Est-ce que, voilà, s'il y a des aînés parmi vous, j'en suis un, est-ce que mes parents m'aiment encore, etc. Bon, voilà. Je pense qu'il y a de ça, mais je dis avec une fois encore, hein, il faut, et, voilà, collision avec le réel. Alors, pour l'instant, ce réel n'existe pas. On n'en a pas la preuve. Mais si, je vois, enfin, quelqu'un, j'avais fait la bêtise de lui dédicacer un bouquin sur Dieu et les extraterrestres et j'ai senti que ce n'était pas le meilleur cadeau qu'il fallait lui faire. Bon, tant pis. Il m'en a pas voulu quand même. Pas trop, j'espère. Mais c'est une question intéressante parce qu'on va un peu au bout. Pour l'instant, on n'a pas de preuves, mais ça peut être un magnifique exercice de pensée que vous pouvez faire. Si un extraterrestre, si la vie extraterrestre existe, ça va vous... Voilà, en quoi ça pousse un peu vos convictions philosophiques, théologiques, religieuses ? Parce que ça, l'apparition d'un autre... C'est toujours un bouleversement. Le réel, donc la rencontre du réel. Avant d'arriver sur la foi elle-même, juste une mention de quelque chose aussi qui
dans ma quête m'interroge, c'est aujourd'hui la question de la transcendance. Comment, à travers aussi le développement des sciences, le développement des techniques, comment se pose cette vieille question de la transcendance, qui est un peu en péril, me semble-t-il. C'est discutable, ce que je vous dis. Tout ça, c'est des questions à débattre. Pourquoi ? Parce que ce qui est normal, les scientifiques nous décortiquent de plus en plus. Nous, les humains. Donc, vous avez peut-être entendu parler de des neurosciences en général, bien sûr, et de la neurothéologie en particulier. Est-ce que Dieu est une fabrication de nos cerveaux, oui ou non ? Est-ce que ce qu'on peut mettre un terme de transcendance ou d'expérience un peu hors du commun, est-ce que tout ça, c'est simplement des fabrications de notre cerveau ? Et le débat est très intéressant. C'est aussi une forme d'épreuve du réel, où là, en plus, la science creuse et décortique nos systèmes, là, ce qu'on a dans la tête ou ailleurs, en tout cas, tous ces systèmes neurologiques. Et les scientifiques ont des choses à nous dire. Alors, faut-il en avoir peur ? Faut-il les combattre, comme certains le font ? Oula, faut pas toucher à ça, parce qu'on touche, au fond, on toucherait au sacré. Non, mais on est en train de décortiquer des tuyaux. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux ? À quoi tout ça nous mène-t-il ? Est-ce que la foi est vraiment en danger ? J'en doute. Neuroéthologie, ou alors, quand on parle de transcendance, une chose qui est extrêmement aussi discutée, y compris en théologie, et on joue là sur les mots, c'est transhumanisme. C'est-à-dire que dans la neurotéologie, on veut voir est-ce que nous fabriquons Dieu dans notre cerveau, mais dans le transhumanisme, il y a quelque chose, c'est que nous voulons devenir Dieu nous-mêmes. Alors on me dit non, c'est pas vrai, c'est pas jusque-là. Oui, je sais, c'est le transhumanisme, c'est un terme très, très large qui recouvre des réalités extrêmement différentes, mais un certain processus quand même, où des choses qui auparavant, que nous demandions à Dieu ou au Dieu, la santé, pourquoi pas l'immortalité, nous disons, pourquoi pas les acquérir par nous-mêmes. Donc ça pose aussi cette question-là. Et de nouveau, évidemment, ça revient toujours, au fond, c'est quoi l'humain ? Donc transcendance en péril. Tous ces sujets, et vous le disiez tout à l'heure, évidemment, amènent à essayer de bien poser des distinctions et pas mélanger les gens. Parce que ce sont autant de sujets, mais je reconnais moi-même, où les confusions sont vite faites. Les récupérations sont très tentantes, voire faciles. Mais aussi les oppositions catégoriques. On ne veut pas entendre parler d'eux. Ça peut être aussi bien, on ne veut pas entendre parler des traditions religieuses parce que, de toute façon, tout ça s'est périmé, et puis vivement qu'on s'en débarrasse. De toute façon, elles sont à l'origine de tant de conflits, ce qui n'est pas totalement faux, de tant d'abus en tout genre, ce qui n'est pas non plus totalement faux. Il serait temps que la science, vous l'avez lu, vous l'avez entendu comme moi, une pensée solide, saine, etc., nous débarrasse de ces vieilles histoires du passé. Bon, donc là on est sur une... telle séparation, c'est un refus. Et aussi, de l'autre côté, c'est les créationnistes certains ne veulent pas entendre du tout parler de la science, parce que la science suppose Satan. Ça raconte n'importe quoi, ça amène au pire, d'ailleurs, parfois même pas aux mêmes abus, mais ça donne des moyens à la violence humaine, etc., etc. Non, il faut tâcher de... En préparant cette conférence, je marquais... Il faut essayer de jouer au... De prendre la fonction des casques bleus. Poser des lignes bleues. C'est ce que font les casques bleus, parfois. Il s'agit de séparer des belligérants et on trace une ligne bleue. Ce n'est pas une frontière. C'est essayer un peu de séparer, de savoir qui est où. Et c'est nécessaire. Et puis essayer de se connaître. Essayer de connaître la méthode de l'autre. Essayer de savoir comment il fonctionne. C'est comme ça qu'on peut entamer, mais vous le faites ici, un dialogue qui avance. Le but, c'est d'avancer, évidemment. C'est pas de rester sur ses positions, mais par moments, il faut déjà un peu les préciser. Sinon, il n'y a pas de débat possible. Et la foi, alors ? Alors là-dessus, je me suis fait
étrillé par mon débatteur dont je parlais tout à l'heure, un des auteurs de cette grosse brique, qui lui avait dit « Mais voilà, moi je vous apporte, je l'avais déjà entendu il y a quelques années auparavant par quelqu'un un peu dans son genre, je vous apporte des preuves de l'existence de Dieu. Pourquoi vous ne les acceptez pas ?» Voilà. Le Big Bang, il n'y a plus à discuter. En plus, j'ai une preuve supplémentaire, c'est que ceux qui ont élaboré la théorie du Big Bang, ils ont été tellement martyrisés par des pensées opposées, par le communisme naissant. Alors, on a les martyrs du Big Bang, donc, ce qui donne encore plus du poids à la théorie du Big Bang. Bon. Et je me suis fait vraiment étriller parce que moi, je ne voulais pas prendre ces preuves offertes par les sciences, raisonnables, raisonnées, décortiquées, et que je me fourvoyais dans le fidéisme. Alors, paraît-il, je suis fidéiste. Bien. Mais, donc, une espèce de truc mou. Oui, bon. Voilà, je crois, un peu cette espèce de foi du charbonnier, je ne sais pas, qui est quand même respectable. Et au risque peut-être de jouer un peu avec les mots, mais moi, les preuves, je m'en méfie. Je n'ai pas besoin de preuves, j'ai besoin de miracles. Je veux dire par là que un miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui m'arrive, dont je suis témoin, qui me surprend, qui m'étonne, qui me bouscule, et qui m'amène à dire « je crois ». Rien de plus et rien de moins. On sourit souvent sur les miracles de Lourdes, à juste titre. Mais la démarche est assez claire. Quelqu'un dit « je suis guéri ». Il va voir un bureau qu'il faut. Alors, on regarde, effectivement, vous étiez malade et là, vous n'êtes plus malade. On fait un peu de recherche, voir si ça peut être expliqué ou pas. Et puis, dans un certain nombre de cas, mais il y a un pourcentage important de guérisons non expliquées dans la vie courante. Quelqu'un disait même qu'il y en avait presque plus dans les hôpitaux qu'à Lourdes. Le pourcentage, j'en sais rien, je n'ai pas vérifié. Ce qui est important, c'est je suis guéri, on n'arrive pas à savoir pourquoi, tant mieux, bravo, mais ça me touche dans ma conviction et ça m'amène à dire je crois. Et c'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que c'est un miracle. C'est-à-dire, moi, les preuves qui me tomberaient dessus et qui m'assommeraient, qui m'endormiraient, et après ça, je suis prêt à signer n'importe quel credo, non. Mais ce que je vois, ce dont je suis témoin, ce que j'observe et qui m'amène à dire « ça, je crois, ça, c'est un miracle ». Et il y a effectivement le monde, la nature, le cosmos, d'un point de vue, et les scientifiques nous y amènent, peut m'amener à dire « je crois ». Dans ce sens-là, oui, le monde est un miracle. Mais pas pour tout le monde, bien sûr, puisque j'ai bien dit « je ». C'est ce à quoi cela m'invite. C'est bien une démarche personnelle. Vous connaissez sans doute, en tout cas certains d'entre vous, et c'est vraiment juste pour une citation parmi mille autres, ce petit verset du psaume 138, « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je reconnais devant toi. » C'est une démarche d'un croyant face déjà à ce qu'il est lui. Alors, on n'est pas toujours en admiration devant ce qu'on est, on est d'accord. Mais tout de même, prenons le temps de dire avec le psalmiste, « Je reconnais devant toi le prodige que je suis. » Bon, étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Ça, c'est, vous voyez, c'est ça que j'entends par miracle. Autre conviction que je résumerai dans le doute, ne t'abstiens pas. Je veux dire par là que, oui, là aussi, j'étais étrié par mon débatteur. Vous prenez le doute. Comment un homme comme vous, ancien dominicain, théologien, enfin, qui se prétend comme tel, qui se prétend, peut-il faire la promotion du doute ? Je ne fais pas la promotion du doute, mais le doute, il est là, enfin, il est souvent en nous. Enfin, qui peut dire « je ne doute jamais » et de rien ? Alors, il y a doute et doute, bien sûr.
parfois c'est un moteur donc il faut, auquel il faut recourir. Mais bien sûr, il est dangereux si le doute m'amène à m'arrêter. Ça, oui. Mais quand je dis « dans le doute, ne t'abstiens pas », c'est que c'est le doute aussi, c'est l'ignorance aussi, c'est le manque d'éléments aussi qui m'amène à la démarche de foi. J'ai retrouvé chez Victor Hugo une phrase qui, quelque part, me trottait au moins dans l'image depuis très longtemps, qui est l'image de l'asymptote. Victor Hugo écrit « La science est l'asymptote de la vérité, elle approche sans cesse et ne touche jamais. » L'asymptote, qui se rapproche de l'axe, qui approche sans cesse, je cite, « et ne touche jamais. » Oui, mais on ne peut pas se contenter de ça dans la vie. On ne peut pas se contenter de dire « j'attends de toucher pour... » Voilà, et ça m'engagera. Et à un moment donné, « ok, maintenant, tu fais quoi ?» Tu touches l'axe, tu traverses l'axe, tu t'engages ou pas. Et ça, c'est tous les jours dans la vie humaine. Donc la science, c'est vrai, elle n'ira jamais jusqu'au bout. En tout cas, un peu plus tard, et c'est souvent très long, vers la fin. Donc, dans le doute, ne t'abstiens pas, parce que notre vie humaine, et j'y mets dedans la démarche spirituelle, la démarche croyante, exige de nous, à un moment donné, de dire, crois-tu cela ? Crois-tu ou ne crois-tu pas ? Il faut relire les évangiles et voir combien de fois le Christ, c'est là qu'il dit, alors, tu fais quoi là ? Tu avances le pas ou pas ? Mais tu dois prendre position. Avec tout le doute qui elle tient. Heureusement qu'il est là. Sinon, il n'y aurait pas, pour moi en tout cas, de démarche de foi. Je vous disais tout à l'heure, et c'est sûr, il y a une collision avec le réel, comme disait Arthur Clarke. Il y a ce réel qui est une épreuve permanente pour nous. Notre foi est mise à l'épreuve. Une fois encore, oui, l'épreuve, elle est là. L'épreuve, nous ne perdons pas trop de temps, il y a suffisamment d'épreuves. Et inutile de les énumérer, ces épreuves, vous les connaissez tous, elles sont parfois quotidiennes et c'est notre humanité. C'est aussi, en tout cas en christianisme, l'humanité de Dieu. En écrivant le livre que vous citez, je suis allé revoir, parce qu'on le connaît tous, mais parce que, bon, alors aussi, parmi les preuves auxquelles un certain nombre de croyants font référence, il y a le célèbre linceul de Turin. Alors, là aussi, je confesse qu'un jour, parce que parfois j'ai des mots un peu excessifs, qu'il y a pas mal d'années maintenant, parce que le temps passe finalement, il y a eu un incendie à la cathédrale de Turin, et fort heureusement, enfin, oui, de cette manière, un pompier avait réussi à sortir le linceul par un acte que certains ont considéré miraculeux, puisqu'il avait réussi à casser une vitre qui était censée être à toute épreuve et à sauver le linceul. Bon, peu de temps après, sur Internet, il y avait... et dire qu'un Dominicain, c'était moi, il aurait brûlé, on aurait peut-être été un peu débarrassé d'un truc un peu gênant. Bon. Je veux dire par là que c'est devenu une pierre d'achoppement, parce que c'est... Voilà la preuve de... C'est tellement débattu, il y a tellement de gens qui se battent dessus qu'à un moment donné, il faut sortir de ça. Ça n'invite pas à l'engagement. Bon. Mais en même temps, pourquoi je vous parle de linceul de Turin ? Parce que c'est vrai que cet objet, assez plus que singulier, étonnant, c'est pas parce qu'on ne sait pas comment il a été fait ou d'où il vient, est-ce qu'il a 2000 ans, est-ce qu'il a seulement quelques siècles, c'est pas ça qui est pour moi la plus de valeur. C'est ce que j'ai d'ailleurs jamais cessé de dire, c'est le fait que depuis plusieurs siècles, je crois que on remonte au moins 13e dans l'histoire, dont on a vraiment la trace de l'objet qui se trouve aujourd'hui à Turin, eh bien, des fidèles se sont réunis, sont venus prier, se rappeler qu'au fondement de la foi chrétienne, il y a la passion et la résurrection de celui qu'ils confessent comme étant le Christ. Et ça, c'est pas rien. Et là, on est, en même temps, c'est une épreuve, c'est toucher, ce que je dis, l'humanité de Dieu. Aller voir ou revoir un tableau comme
celui de Holbein, hein, le corps du Christ mort dans la tombe. Enfin, on a une humanité mais cadavérique. C'est assez étonnant parce que on se dit mais c'est là on est entre guillemets comme si c'était juste avant la résurrection, mais pour montrer voilà, où la résurrection va-t-elle agir, mais dans un corps en décomposition, c'est verdâtre. Enfin, c'est franchement, j'ai jamais vu en vrai, mais ce qu'on voit comme représentation, il y a quelque chose de touchant. Oui, la foi est mise à l'épreuve. En plus, cette humanité de Dieu, elle nous échappe. Le noli me tangere, ne me touche pas, c'est ce que nous vivons en permanence. Et allez revoir les mystiques, parce que ça aussi, ils sont là aussi pour nous aider. C'est dans la nuit, dira Jean de la Croix. Ne me touche pas, est-il dit à Marie-Madeleine. Ou, si vous me permettez de faire allusion une deuxième fois à Giordano Bruno, il a quelques lignes sur Dieu se montre toujours de dos. Le dos de Dieu. Et quand j'ai lu ça, j'étais regardé, et c'est tout à fait possible que lors de son séjour à Rome, son premier séjour à Rome, il a pu voir dans la chapelle Sixtine le dos de Dieu. Vous savez, il y a Dieu qui se sauve sur un nuage, peint par Michel-Ange, et c'est assez étonnant parce qu'en se sauvant, il a sa robe qui remonte et on voit les fesses de Dieu, en fait. Alors ça étonne toujours les gens, mais je ne dis pas que je connais Giordano Bruno, mais comme il est assez facétieux, je pense qu'il pouvait penser à cette petite peinture de Michel-Ange. Mais c'est ça la réalité. Alors, on pourra élaborer des tas de sommes théologiques, des édifices architecturaux extraordinaires et intellectuels, mais bon, Dieu ne fait que passer. Voilà, je crois que j'ai été un peu trop long, donc vous m'excuserez. Au fond, vous aurez compris, j'ai un immense respect pour les sciences, un immense respect, et plus qu'un respect, enfin, une grande attente par rapport au monde des sciences, par rapport à tout ce que les scientifiques nous disent du réel, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment complexe, l'infiniment tout ce que vous voulez. Parce que je sais bien que c'est aussi, ça peut être une épreuve, ce que j'ai appelé l'épreuve du réel, que ça peut mettre en cause des discours sur la transcendance, etc., sur ce qui m'habite, sur mon humanité ou mon animalité. Mais pourquoi avoir peur de cela? Au contraire, je suis persuadé que c'est une chance qui nous est donnée, nous qui vivons au XXIe siècle, d'avoir autant de connaissances, de connaissances ouvertes, hein, il n'y a pas que le ciel qui soit ouvert, hein, c'est aussi à connaissance ouverte, jamais finie. C'est un chemin qui nous est proposé, que nous pouvons emprunter, même sans être scientifique. Nous pouvons en profiter. C'est autant de... Oui, c'est un magnifique cadeau qui nous est fait pour entamer notre propre chemin de foi. Avec à la fois un esprit critique par rapport aux scientifiques. C'est vrai que ceux qui nous disent vivement qu'on trouve des extraterrestres, comme ça, au moins, on se débarrassera des religions, à mon avis, on créera vite d'autres religions. C'est au moins ça qu'on peut leur répondre. Donc voilà, il y a des dialogues à instaurer, vous le faites ici, et toujours, et c'est toujours sans fin. Et puis, juste en guise de dernière pirouette, mais pour autant, avec tout ce que j'attends des scientifiques, et une fois encore, leur compagnonnage parfois vraiment me fait du bien et je l'apprécie et j'essaie de les remercier pour ça. Pour autant, à cette question que je rappelais tout à l'heure, crois-tu ? Cette question que le Christ, en christianisme, évidemment, c'est lui qui la pose. Bon, dans d'autres religions, ce sera posé différemment, mais crois-tu ? Je suis quand même persuadé que le Eureka d'Archimède ne suffira pas. Il ne faut pas confondre la baignoire d'Archimède avec une cuve baptismale. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour tant d'inspiration, Jacques Arnoux. Je ne résiste pas, avant de vous laisser la parole, à une réaction. Quand vous avez parlé de voir Dieu de dos, c'est une problématique qui, moi, m'inspire beaucoup. Et je me dis que toute la Bible, déjà, veut éviter de donner des preuves de Dieu. On a des tas de textes bibliques, déjà dans l'Ancien Testament, qui veulent éviter de donner des preuves. Je pense à Dieu de dos, puisqu'il y a ce fameux texte dans Exode 33 où Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, et Dieu lui répond « Je passerai devant toi avec toute ma gloire, mais tu ne la verras pas, et je te cacherai dans le creux du rocher de ma main, et quand je serai passé, tu me verras, mais de dos. » Et donc, en quelque sorte, il n'y a pas de preuve. Et il ne voit que de l'obscurité au moment où Dieu passe. Et on pourrait donner des tas d'exemples. La résurrection, il n'y a rien à voir non plus. Ou même le buisson ardent avec Moïse. Dieu refuse de se définir par un nom. Il est un verbe. Je suis qui je serai. Donc, je pense que c'est assez extraordinaire que précisément... chercher des preuves, on ne les trouvera pas, même dans les textes de Révélation. Mais voilà, donc ça, c'était à propos de Dieu de dos. Et la question, je crois, que vous posez, que nous avons besoin de preuves, est fondamentalement un questionnement sur l'humain lui-même, sur notre fonctionnement à nous. Donc voilà. Alors, à vous pour les questions. Donc il y a un micro de ce côté. Voilà, je vois déjà une première main qui se lève. Le micro arrive. Voilà. Vous avez parlé de verbes tout à l'heure, et là j'ai commencé un livre qui explique un peu le monde des sourds. Comment est-ce qu'on peut expliquer Dieu et tout ça à des sourds de naissance ? Il faudrait leur poser la question. Mais ils n'entendent pas, évidemment. Ils n'entendent pas. Les sourds, quand on est sourd, on n'entend rien. Notre monde est complètement différent, nos perceptions sont différentes. Votre question est vraiment intéressante parce qu'elle, à mon avis, elle touche plus nos modes d'expression, les mots que nous utilisons pour dire des choses. Alors c'est vrai que le verbe, mais le verbe, ce n'est pas que la voix. Enfin, je ne saurais pas, parmi vous, des gens sauraient mieux répondre que moi. Comment un sourd dit-il à un autre sourd son affection, son amitié, sa confiance ? Ils ont leur manière à eux, qui est peut-être différente, qui est sans doute différente, en tout cas plus et encore plus riche que celle qui est la nôtre, qui entendons ou prétendons entendre. Là aussi, c'est un très beau thème dans la Bible de la surdité. Un peuple aux oreilles bouchées, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Et pour autant, un sourd peut aussi croire. Mais en tout cas, vous, si je puis dire, vous prêchez un converti, comme quoi nous avons, à travers les textes de nos traditions, j'ai bien nos, parce que c'est avec plein de dimensions différentes, tant de choses à découvrir dès lors qu'on creuse simplement les images, les mots les plus courants et qui nous paraissent tellement évidents. Là, vous rejoignez tout à fait autre chose. Enfin, je ne suis pas venu... Enfin, si, j'ai fait allusion à travers les ovnis, mais... J'aime bien la manière dont vous m'avez présenté, engagé dans la réflexion éthique. Je garde cette idée-là, parce que sinon on dit expert ou machin, conseiller, bon, engagé dans. Et pour moi, l'une des missions qui peut être la mienne au sein de cette agence spatiale, c'est d'interroger les évidences comme vous le faites à l'instant. Il y a tellement de choses qui nous paraissent évidentes, sur lesquelles on se repose, parce que ça revient un peu comme les preuves. On veut des choses évidentes, comme ça, moi, ça, c'est plus à discuter, c'est plus à débattre, c'est là, et puis on s'appuie là-dessus et on ne bouge plus. Est-ce si évident que cela ? Et vous avez raison de le poser sur... À mon avis, on pourrait poser la question par rapport à d'autres sens qui nous sont... qui sont handicapés ou diminués, et qui pourtant... Enfin, le sens est tellement appelé dans nos traditions... voir Dieu. Alors que fait l'aveugle ? Enfin voilà, on pourrait jouer là-dessus. Mais interrogeons nos évidences. C'est peut-être aussi une manière d'avancer dans la foi. Bonsoir. Concernant la Station spatiale internationale, est-ce que vous avez examiné des démonstrations de foi à bord de la station ? Première question. Et deuxième question, est-ce que des,
entre guillemets, projets religieux soient intégrés au programme lunaire du type Artemis? Et si oui, comment est-ce qu'on les ajuste au regard du principe de non-appropriation des corps célestes, s'il vous plaît? Alors, ma réponse va être sans doute... Enfin, elle ne vous satisfera pas complètement. Ce que j'ai constaté après une bonne vingtaine d'années de présence au sein de la communauté spatiale, c'est quand même une certaine discrétion sur l'aspect religieux. Quand je dis discrétion, ce n'est pas du tout une absence. Mais la variété des cultures, la variété des postures fait que... Voilà, une certaine discrétion. C'est sûr qu'entre une position avec une laïcité clairement défendue en France et puis des positions américaines où la laïcité a une autre définition, ne serait-ce que ça, il y a déjà évidemment des positions différentes. Pour autant, il y a eu, depuis le début, et il y a toujours des occasions d'expression religieuse ou d'expression rituelle religieuse dans le monde spatial. À une époque, mes collègues européens mettaient des bougies avant d'envoyer une fusée Ariane. Ça faisait partie des procédures avant lancement. Parce qu'on avait constaté que dans les premiers lancements, quand on ne le faisait pas, ça ne marchait pas, soi-disant. Donc on l'avait instauré. Bon, il y a des cas bien connus dans le cas des Américains et des missions Apollo où lire les premiers versets du livre de la Genèse quand on tourne autour de la Lune la première fois en Noël 68, bon, c'est quand même, d'ailleurs été critiqué par certains, c'est quand même une expression religieuse forte, sachant les millions de personnes qui vous écoutent sur Terre au même moment. Même les Russes, alors pas les Soviétiques, mais les Russes ont réintroduit du religieux, puisqu'aujourd'hui, aucun équipage ne quitte la base de Baïkonour sans avoir été béni copieusement par le pope de la ville. Et c'est fait partie du rite. Il ne peut pas ne pas avoir lieu. Donc, il y a des expressions religieuses. J'allais dire, de quelle foi sont-elles l'indice? Ça, évidemment, ça relève de l'intime de chacun de ces astronautes, cosmonautes ou ingénieurs. Mais c'est souvent quand même lié au... Vous parliez de la Station spatiale internationale, lié à des vols habités. Et là-dessus... En fin de compte, les astronautes et cosmonautes sont assez discrets. Alors, je connais plutôt des astronautes français ou francophones, et en plus s'ajoute la discrétion, je parlais de la laïcité à la française, où là-dessus, on est plus que discret. Alors, ça n'empêche pas des expressions, quelquefois en passant, on voit bien, mais c'est plus des expressions, on voit encore des mots, c'était une expérience mystique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'un décollage, ça vous fait un peu étrange partout. Bon, ça vous met dans un état qui n'est pas un état courant. Mais ce n'est pas nécessairement une rencontre de Dieu. Donc, on n'a pas grand-chose là-dessus. Mais d'une manière générale, vous rejoignez un sujet qui m'est assez cher, c'est que... Malheureusement, dans le domaine des vols habités, nous souffrons encore d'une certaine... comment dirais-je? Il y a des mots qu'il faut dire, il y a des choses qu'il faut dire, et il y a une langue un peu commune de tous les astronautes quant à leur expérience. Peut-être simplement parce que ils n'ont pas nécessairement tous les... Peut-être que nous-mêmes, nous aurions la même situation... Parce que je n'ai pas vu Claude Nicollier, parce que je dis, a priori, il n'y a pas d'astronaute parmi vous, mais Claude pourrait se cacher. Non, il ne réagit pas, donc il n'est pas là. Ils n'ont pas nécessairement... Enfin, il faut avoir aussi, être un peu sensibilisé, peut-être manier un peu la poésie. L'un d'entre eux, un astronaute des missions Apollo, disait, là, on vit un truc quand même extraordinaire, il faudrait avoir un poète, un philosophe ou un prêtre pour exprimer ça. Mais le problème, c'est que, au moment où je vous parle, si c'était un philosophe, un prêtre ou un poète, il serait déjà mort parce qu'il faut quand même un peu de compétences qu'eux n'ont pas pour pouvoir faire ce qu'on fait. Donc il y a une espèce de, jusqu'à présent, un petit peu un manque
quand c'est le cas dans l'expression, certains, il y a eu des peintres parmi les... Après, bon, il y a des choses intéressantes, mais souvent, on a envie d'en savoir plus. Et je reconnais que jusqu'à présent, je n'ai jamais réussi à intéresser les quelques-uns que je connais un peu mieux, à leur dire, bon, est-ce qu'on pourrait essayer, parce que je ne sais pas à quoi ça peut mener, essayer d'aller un peu plus loin dans l'expérience intérieure. Donc, ça reste ouvert. Qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Ça, c'est une... Parce que si un... bon, sur la Station spatiale internationale, la question religieuse, il y a... Voilà. Je sais pas, à l'occasion, on va dire, bah, tiens, c'était il y a quelques années, l'astronaute italien qui avait une communication avec le pape. Bon, on monte une icône, on fait une prière à un saint russe. Bon, voilà. Il y a des manifestations ponctuelles, mais rien de construit. La question pourrait se poser pour plus tard, mais on n'est pas encore à construire des installations. Même, bon, Artemis, d'ici à ce que le programme américain, enfin, qui est quand même pas mal mené par les Américains, établisse vraiment quelque chose de conséquent à la surface de la Lune et que se pose éventuellement quel jour sera dimanche ou le jour du sabbat ou je ne sais pas quoi. Bon, on n'en est pas encore là et on verra ce que ça donne. Je suis plutôt en attente et ça, évidemment, ça m'intéresse. Mais pour l'instant, on est dans du hors-sol, donc on gère le hors-sol. Parce que la question a déjà été posée. Par exemple, un astronaute juif ou un astronaute musulman, comment est-il astreint ou pas aux règles juives ou musulmanes ? Et le plus souvent, les chefs religieux disent « Bon, écoute, pendant le temps où tu seras à la station, on oublie. » Parce que comme tous nos rites sont liés au lever et au coucher du soleil, et que en une heure et demie, le soleil se couche et se lève... Donc, vous voyez, il serait tout le temps en train de... Enfin, ce serait un peu embêtant. En plus, où se tourner ? Bon, c'était facile en apesanteur, mais enfin, voilà. Il y avait des problèmes un peu techniques. Sur Terre, il n'y a pas ces problèmes-là. Mais moi, j'aime bien votre question. Malheureusement, on n'a pas d'éléments. C'est-à-dire que, pour l'instant, la question, c'est... Et je reviens sur Terre, si je puis dire. C'est vrai, c'est comment intégrer... Souvenez-vous, ce que je mentionnais Carl Sagan, c'est-à-dire... Comment intégrer cette vision du monde qui nous est offerte par les scientifiques d'un monde, sinon infini, du moins à milliards d'années-lumière, et dans nos manières de croire. Et là, pour ça, je citais Teilhard de Chardin, qui, bon, lui, n'a peut-être pas connu des dimensions comme celles que nous connaissons aujourd'hui, mais était déjà sensible à ça, sensible au fait que les connaissances qui sont les nôtres donnent des échelles de temps et d'espace qui... effectivement, rend nos histoires saintes assez petites, et il ne faudrait surtout pas, disait-il, y réduire notre Dieu. Et peut-être aussi notre manière de prier Dieu. Pardon, je suis très bavard, je reconnais. Merci beaucoup pour la conférence, dont je pense avoir compris la teneur en grande partie, mais j'ai toujours un problème avec votre titre, que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Que veulent dire les trois derniers mots ? Dans tout votre exposé, vous avez dit que le croyant est face au miracle et que le miracle n'est pas une preuve. Dans le livre que vous avez publié au début de cette année, vous dites « Voici ma conviction profonde » et je cite Jacques Arnoux, « Le croyant n'a que faire des preuves de Dieu ». Alors que veulent dire les trois derniers mots du titre d'aujourd'hui ? Parce que on m'a fait... C'est pour ça que, d'ailleurs, vous avez remarqué, ce n'est pas le titre du livre. Je n'avais pas mis « mais nous, oui ». C'est parce qu'on m'a dit « oui, mais nous, comme humains, on a besoin de preuves ». Nous, les humains, c'est ce que je dis. Autour de moi, je rencontre des tas de gens, et en partie dans ce débat, des gens qui me disent mais voilà, où il y a des preuves et je vous les apporte, ou donnez-moi des preuves de licence de Dieu ». Et c'est là que le débat doit se poser. Et c'est là qu'après, on me dit, mais non, vous ne voulez pas de mes preuves. Pourquoi vous ne voulez pas de mes preuves ? Quand on dit, regardez l'ajustement fin de l'univers, comment on pourrait faire autrement ? Le fait, alors ça, c'est pas du tout prouvé par la science, et je vais rappeler, mais il y a de la vie que sur Terre. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Donc il y a un dessin intelligent. Donc, ce que l'on renvoie, c'est qu'en permanence, nous, les humains, nous avons besoin de preuves. Et c'est ça que je voulais discuter aujourd'hui.
Dieu se fout des preuves. Bon, on sait bien, c'est notre problème dans l'expression, c'est que nous portons sur Dieu, ou nous faisons porter par Dieu des choses qui sont faites. Voilà. D'où le choix. Alors, je peux par une pirouette dire le choix de l'éditeur de Dieu n'a pas besoin de preuves. C'était une manière de répondre assez directe, mais sans pour autant reprendre la couverture. Dieu, la science, les preuves. J'ai les preuves des licences de Dieu. Désolé. Enfin, ces preuves ne tiennent pas. Et d'ailleurs, ce que j'apprends de Dieu dans une tradition comme la tradition chrétienne, c'est que, vous l'avez rappelé, même, il se montre de dos. Il s'échappe. Il part dans la nuit, comme le bien-aimé du cantique. Donc, il ne me touche pas. C'est ça que je veux dire. Mais qu'on a rajouté pour cette conférence, c'est aussi un peu en lien avec ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire, autour de nous, voilà, donnez-nous des preuves ou nous allons faire la liste des preuves. Les mille raisons de croire, j'ai entendu l'auteur donc aussi maintenant sans doute le rédacteur en chef de cette revue, être très heureux parce qu'il avait rencontré le responsable d'un lieu de pèlerinage libanais où ce responsable faisait la liste des miracles qui avaient lieu dans ce lieu. Et il dit, chaque miracle, c'est une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu. Et avec ça, pourquoi ne croyez-vous pas? Ben non. Enfin, voilà. Donc, c'est ça que je... Alors, OK, hein, c'est plus mon expérience, parce que ouais, je suis pas un homme de grande connaissance et de grande spéculation, mais c'est comme ça que j'essaie d'avancer. Ben, c'est vrai que, je vais pas parler à la place des scientifiques, mais j'ai toujours en tête un échange qui avait lieu lors d'un débat où nous étions invités, un de mes amis scientifiques, biologiste, grand connaisseur des sciences de l'évolution, et qui donc présentait devant un public généraliste, j'allais dire, et jeune en particulier, l'état des lieux sur les sciences de l'évolution. Et quelqu'un lui a dit, parce qu'on n'était pas très loin de notre sujet d'aujourd'hui, « Oui, mais vous, au fond, vous croyez en Darwin ?» Voilà, votre type qui est à côté de vous, c'était moi, lui croit en Dieu, mais vous, vous croyez en Darwin. Parce que, bon... Et il a répondu, « Attendez, c'est vrai que je travaille depuis, 30 ans... à partir de théories qui ont été élaborées par Darwin, puis depuis retravaillées, refaçonnées, enfin bref. Bon. Et il a eu cette expression que je trouvais très juste, il a dit, mais sachez que, encore aujourd'hui, bon, maintenant il ne le dira plus parce qu'il est en fin de carrière, mais je me réveille tous les matins en me disant, quand est-ce que je vais trouver une meilleure théorie que celle de Darwin? Il y a un peu le meurtre du père. Je veux tuer mon père tous les jours, le père Darwin, en quelque sorte. Et bon, alors il n'a pas réussi, mais Darwin a la peau dure. Mais en tout cas, la question n'est pas là, mais c'est vrai qu'il y a cette démarche de quête incessante et opiniâtre et parfois un peu forcenée qui est assez admirable chez les scientifiques. Il faut être passionné pour faire ça, parce que faut en vouloir. Et j'ai eu la chance de rédiger ma thèse en théologie qui portait justement sur la création, très modestement, reconsidérer la théologie de la création en tenant compte de ce qu'aujourd'hui les scientifiques nous disent, en particulier sur le vivant. Et donc, je passais une journée par semaine dans ce laboratoire, justement dirigé par cet ami biologiste. Et comme ça, j'ai rédigé quelques pages. J'étais quasiment sur une paillasse avec des gens à côté qui faisaient des manips. Et je me dis, mais j'ai de la chance parce que là, je suis avec des jeunes chercheurs qui ont encore toute la passion et l'investissement et l'engagement. Ils sont dans leur thèse. Est-ce que je suis capable d'autant de passion et d'engagement et de à la fois de prudence, d'ignorance, ça m'a beaucoup marqué cet aspect-là. Et je pense que ça me marque encore aujourd'hui. Juste dire que j'aime beaucoup la thématique, mais je rajouterai quelque chose simplement. Moi, je n'ai pas besoin de preuves, en fait. Ça n'engage que moi.
Vous avez parlé tout à l'heure d'OVNI, et puis de la science et Dieu. Je vais vous lire juste un petit texte. Je pense que vous le connaissez. C'est dans Ézéchiel 3, 23. Il est dit « Je me suis levé et je suis sorti dans la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel s'éteignait là, telle que je l'avais vue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. » Quand je lis Ézéchiel, je vois, on parle de présence extraterrestre en fait. Parce que je ne sais pas, là, tout ce que j'ai dit, ça n'engage que moi. Parce que c'est un beau livre, je conseille à ceux qui n'ont pas encore lu ça, parce que moi, ça me transporte ces écrits-là. Et juste la question, vous ne pensez pas que, en tant qu'humains, nous faisons abstraction de la vérité, nous voulons voir que ce qui est là devant nous, on peut dire palpable, et laisser de côté ce qui est véridique en fait. Parce que la science, je crois aussi à la science aussi. Et je suis beaucoup des émissions, des scientifiques, des recherches, tout ça. Mais en tant que, comme vous avez fait votre exposé, pour moi, je dirais que quelque part, si on devait se dire que ça existe une vie extraterrestre, mais pourquoi notre foi sera ébranlée au jour où on va être en contact avec cette vie-là? Parce que vous savez bien qu'il est dit qu'il nous manque, on périt parce qu'il nous manque la science. Dans plusieurs interprétations de la Bible, vous savez. Alors, pourquoi vous expliquerez ça comment? Oui, volontiers. Je ne sais pas si ça se groupe avec, mais je voulais plutôt revenir à l'intervention du monsieur qui disait aussi « nous, moi, ce n'est pas moi ». Et puis je partage cette idée que Dieu se cache dans ce sens de « ne me touche pas ». Non, je cherche les mots. Ça m'a échappé. Excusez-moi, j'ai perdu le fil avec les autres réflexions. Pardonnez-moi. Dans la recherche extraterrestre, comme c'est un problème interdisciplinaire, je pense qu'il y a un problème d'échelle et d'interface. On peut dire on peut faire de la vie avec des plots sur la Lune qui vont réagir comme un virus, ou on peut dire qu'à une échelle humaine, on a les humains, mais à une échelle nanométrique, on va faire des virus ou encore d'autres organismes vivants encore plus petits, des photons, de quantiques, et ils auront la vie, ils auront l'intelligence, et ça c'est des extraterrestres, et donc c'est la connaissance de soi où l'extraterrestre est déjà devant notre nez. Donc où on est dans cet aspect que peut-être l'extraterrestre est devant notre nez? Oui, juste pour faire écho à votre mention du Dieu qui se cache, vous savez que c'était une des... Comment dirais-je, une des choses que répétait très souvent l'abbé Georges Lemaître, Dieu se cache. Il y a des accords comme ça qui résonnent par rapport à une démarche. Bon, parce qu'il était, par ailleurs, prêtre catholique, il a eu moins de problèmes, heureusement, que d'autres de ses contemporains, comme un Teilhard, mais il était très marqué par ce. Donc, tout en développant une théorie qui, pour certains, est l'une des preuves de l'existence de Dieu, lui était au contraire très sensible à un Dieu qui se cache. Oui, alors c'est tout le mystère, justement, à la fois Dieu se révèle et Dieu se cache. Mais tel est-il. Et donc, alors, les extraterrestres. C'est intéressant que vous ayez évoqué Ézéchiel, puisque Ézéchiel intéresse pas mal ceux qui étudient la question extraterrestre, parce qu'il y a, par exemple, les roues d'Ézéchiel avec les yeux, et certains y voient des ovnis, des soucoupes volantes. Bon. Et il y a pas mal de travaux, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, de personnes qui vont chercher dans la Bible, non pas des traces de l'existence de Dieu, mais des traces de vie extraterrestre qui serait venue nous visiter. C'est les anges, c'est les soucoupes volantes, etc., etc. Bon, une fois encore, ça n'engage que ces personnes. Moi, simplement, ce que je sais aujourd'hui, c'est que les scientifiques nous disent, attention, on n'a encore rien trouvé, malgré, en tout cas,
et ça aussi, vous avez raison, il y a des questions d'échelle, il y a des de ce que nous entendons comme étant la vie, dans ce que nous en connaissons de la vie sur Terre, ailleurs, proche ou un peu plus loin, nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons pas reçu de signaux qui pourraient être apparemment artificiels. Mais nous cherchons. Une fois encore, je disais, la communauté astrobiologique et des astrobiologistes est extrêmement vigoureuse. Il y a beaucoup de travaux qui se font. Et qui, justement, ce qui est intéressant, c'est, ça rejoint votre question, c'est-à-dire que finalement, ça revient vers nous. C'est-à-dire que, mais que savons-nous du vivant? Qu'avons-nous défini comme étant le vivant? À quelle échelle nous plaçons-nous? Même, il y a des, on découvre, je crois, de plus en plus des formes de vie dont on se dit, bon, est-ce qu'ils appartiennent vraiment, enfin, jusqu'à quel point ils appartiennent aux mêmes vivants que nous, même sur Terre? Et c'est ça le propre, et ce qui est le côté génial de la science, c'est qu'elle est en permanence, en mouvement, en permanence en train de s'interroger, et qu'on ne s'en tient, quand on s'en tient un peu trop longtemps à un système et qu'on pense que tout est bien figé et que tout fonctionne de la même manière, regardez la question des exoplanètes, interrogez Michel Mayor, il vous expliquera que dès les premières exoplanètes, on s'est rendu compte que nos systèmes planétaires ne fonctionnaient pas, et en tout cas n'étaient pas les mêmes ailleurs. Et que si on croyait que c'était partout comme sur le système solaire, ben non, ce n'est pas vrai. Donc, voilà, je ne saurais pas vous dire de plus. Soyons prudents, parce qu'on peut effectivement jouer dans les deux sens, soit dire ben, alors, ces phénomènes étonnants, surprenants, extraordinaires, de quoi sont-ils le signe? Bon, moi, je suis plutôt pour la prudence. Et je répète, mais c'est pour moi avant tout une invitation à revenir sur soi-même. Il y a quelque temps, j'avais commis un petit livre dont le titre était « Qui va là ?» Point d'interrogation. « L'humain face à l'extraterrestre », c'est-à-dire quel humain se dévoile lorsqu'il s'interroge sur l'extraterrestre. Puisque l'extraterrestre, on ne sait pas s'il existe. En revanche, la question extraterrestre dévoile énormément de choses sur nous-mêmes. Et peut-être aussi, sur nos croyances. Et là, ça devient intéressant, parce que nous avons besoin de décortiquer tout ça. Non pas pour dissoudre nos convictions, mais au contraire, pour aller à l'essentiel. Là aussi, les mystiques nous l'apprennent, et tant d'autres. Aller à l'essentiel, le Christ lui-même nous dit d'aller à l'essentiel de la foi. Merci beaucoup. Alors, peut-être une toute dernière question, monsieur, en haut, parce qu'il reste, mais très bref, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. J'aime bien la conclusion de s'interroger sur nous-mêmes, parce que la question que, pour moi, on doit se poser, c'est pourquoi l'humain n'a pas la capacité d'avouer ses limites. On parlait tout à l'heure des sourds. On est tous sourds peut-être à un certain niveau, on est tous aveugles à un certain niveau, parce que si on prend discussion avec une chouette sur l'obscurité, un hibou ou une chouette sur l'obscurité, ça va être un débat interminable, la lumière et l'obscurité. Donc, Blaise Pascal disait qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Kant, dans Critique de la raison pure, démontrait clairement la limite de la connaissance. Donc, avons-nous cette limite et que Dieu n'a pas de preuve? C'est interrogeons-nous sur nous-mêmes. Mais ma question, c'est pourquoi on n'arrive pas à s'interroger sur cette question? La première formulation, vous disiez pourquoi nous n'admettons pas nos limites, hein, si je me souviens bien. C'est ça qui me semble intéressant. Parce que, de fait, j'allais dire, à la fois, nous devons reconnaître nos limites, et en même temps, quand je parle de transcendance, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui nous appelle à aller au-delà, à nous engager. Quand je dis il faut transgresser, c'est qu'il y a des limites, et par moments, en tout cas, nous devons, sinon les transgresser, du moins les repousser. Ça fait aussi partie de l'humain, et du mystère de l'humain. L'imaginaire, qui est quand même un magnifique cadeau empoisonné que nous a fait la nature, et a priori, en tout cas sur Terre, c'est l'humain qui possède cette capacité, les animaux semblent moins dotés de cette capacité-là, voire pas du tout, c'est bien quelque chose qui nous amène au-delà de la réalité la plus immédiate que nous pouvons toucher, appréhender, entendre, voir avec les limites de nos sens. Mais l'imaginaire est un exercice, justement, où on dépasse un peu les limites. Donc qu'il y ait en nous à la fois la nécessité de reconnaître nos limites, et tout en sachant que
nous sommes conduits, nous sommes inspirés à, eh bien, à sortir de ces limites. Mais est-ce que c'est le moindre des paradoxes de l'humain ? Sans doute pas. Et c'est en même temps ce qui peut faire aussi sa, je voudrais dire sa beauté, en tout cas sa singularité, et que nous devons cultiver, je pense, en ayant la raison et en même temps en ayant cette passion pour le transcendant ou l'autre. C'est un peu aussi l'expression de notre logo, là, le petit bonhomme dans cet univers magnifique, et puis qui se tient sur le bord de la terre, là, et qui regarde l'immensité qui l'entoure. Hein. C'est un petit peu le sens de... Il y a un très, très beau texte de Teilhard de Chardin sur l'immensité du vide et la solitude de l'humain. Lui vivait ça comme une expérience de solitude extrême et un peu effrayante. Bon, alors, ce n'est pas parce qu'il ne croyait pas, mais c'est peut-être aussi l'expérience qu'il avait au milieu de cette foule qu'étaient les soldats de la Grande Guerre, et en même temps son extrême solitude face à ce mystère de la solitude humaine. Oui. Les expériences des limites, oui, tout à fait. En tout cas, un très, très grand merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Donc, merci à Jacques Arnoux, et puis nous aurons peut-être un autre rendez-vous sur une thématique connexe avec lui, puisqu'il a tellement d'ouvrages et tellement de thématiques qu'il aborde avec, son esprit de finesse et toutes ses compétences. Alors, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine conférence le 15 novembre avec Françoise Combes, qui est astrophysicienne. Et si je ne me trompe pas, la thématique sera l'énigme de la matière noire. Le Big Bang, pardon. Donc l'énigme du Big Bang. Ah ben voilà, on revient en arrière sur la question du Big Bang. Donc le 15 novembre avec Françoise Combes. Très bonne soirée et à d'autres rencontres. Au revoir.